Salut tout le monde, aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il y a les nouveaux poneys, poneys qui sont arrivés. Et donc voilà, ça s'appelle le Curly. Donc on en a un à Forpinta et on en a deux à Firgrove, donc ça nous laisse quand même le choix. Donc on va regarder un peu de plus près et sans gêner. Donc on va se reculer un petit peu, hop, voilà comme ça, et on va regarder. Ce qui n'est pas très malin de ma part par contre, c'est que j'ai acheté un poney juste là, et enfin il n'y a vraiment pas du tout longtemps, et donc et là ils sortent des nouveaux poneys, donc voilà quoi, je sais pas trop quoi dire. Donc, il coûte 850 et il est au niveau 1. Donc, je dis pas ça hein, parce que sinon ça va durer 2 heures. Et donc, c'est un cheval alezan. Donc, avec des petits ronds comme ça. On dirait que c'est des petites pelotes de laine. Voilà. Donc, on dirait bien que c'est genre un petit poney percheron un peu clidésal avec ses grosses touffes de poils. Donc il est assez mignon avec ses balzanes et tu peux lever la tête et ses crins tout ondulés. Donc il est assez mignon. Mais donc, comme on n'a pas vu ceux de Firgrove, et ben on va aller les voir. Ouais, du coup je suis un peu deg parce que je viens d'acheter un poney et voilà quoi. Je pense qu'ils vont me plaire, donc je sais, j'ai la flemme de faire le trajet à pied parce que c'est quand même une petite distance. Alors je fais en vent. Ça va beaucoup plus vite. Donc oui, je pense qu'ils sont là-bas. Hein. Voilà. Donc sont là tous les deux. Donc on en a un pi qui est très chou. Enfin j'avais pas vu sa tête. Il est un peu bizarre, mais ce que la performance de Star Stable là, je trouve, c'est que ils ont à part que je me trompe, mais ils ont pas ils ont pas fait symétrique. Du coup ça c'est super réaliste. Ouais, voilà, c'est super méga réaliste parce que par exemple la tête là, il a autour de l'œil blanc beige et là non. Donc voilà, il est très beau. Et on a enfin le petit dernier qui est très 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 chou. Qui on dirait un petit peu plus grand comme un peu comme un cheval. Donc pardon, voilà. Lui il est niveau 6. Bon, bah, bref, quoi. Donc, enfin pour finir, comme en fait il coûte pas très cher, mais que je me suis déjà acheté un poney et que je vais regarder Mr. Coins. Voilà, donc, en fait, si je l'achète, j'aurais 1000 quelque chose Star Coins et ça m'arrange pas vraiment. Car je pense qu'ils vont sortir d'autres Curly la semaine prochaine. Et donc si je me trompe et que j'achète lui alors que je voulais un autre, et voilà. Donc je ne sais pas du coup ce que je fais. Et donc je pense que je vais acheter ce petit poney. Enfin, je dis poney parce qu'il a quand même un peu la taille d'un double poney. Et tout. Oh, t'es trop chou. Donc, pourquoi j'achète lui en fait? Parce qu'il est gris et qu'il me fait penser un peu à un cheval de Noël. Que lui, il a un peu comme ça et je trouve qu'il est pas très 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 beau. Et que celui de Forpinta, et en plus il est au niveau 1.
Et du coup, j'aime bien avoir pas des chevaux au niveau 1. Voilà. Donc, on va prendre ce cheval. Et donc, j'ai pas vraiment réfléchi au nom, car il est vraiment une bouille trop mignonne. Donc, je sais pas, moi... On va regarder un petit peu tout ça. Donc ça va être un garçon ou une fille, ça je sais pas. Ça va être, je pense, une fille. J'ai ça juste au pif, hein. Attends, on va voir les aléatoires. On va l'appeler, je pense. Ah! Bon, il y a marqué Océan, mais moi je vais l'appeler Océane. Océane, quoi. Océane Pétale. Donc, pourquoi j'ai choisi ce nom? Parce que ça me fait vraiment penser à un chouette de Noël. Et enfin, voilà quoi. Donc, on fait OK. Donc. On va le prendre là. Ouais, cool. Du coup, on va aller le prendre et on va aller faire ces petits trucs. Voilà. Donc, je vais voir combien j'ai de Star Coins parce que ça m'inquiète un peu cette histoire de Star Coins. Mais donc voilà, voilà. Donc, je suis pauvre. Je suis pauvre. Donc, du coup, oulala, 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 oulala. Oh, il est là, mon petit chou. Donc, en fait, j'enlève pas les équipements de mon petit poney parce que. En fait, je me demande si je vais pas les mettre dans le même box. Donc, on va maintenir et la touche mage. Enfoncer tout en augmentant ta vitesse, ok. Donc si là par exemple je fais ça, oh
c'est trop chaud. En fait, c'est comme islandais. Attends. Bon, bref. Donc, on va aller dehors. Hein. Et on va du coup aller chercher ses équipements. Hop. Donc. Oh, il est trop chaud. Oh, vraiment, j'adore. Donc, mais qu'est-ce que je fais en fait, moi? On dépousse, hein. Hop. Hop, voilà. Donc, j'ai acheté gris, le gris parce que c'était quand même assez. Oh, mince. Assez beau. Je trouvais que. Ouais, je sais, j'achète beaucoup de cheveux en ce moment, mais je vais réduire un peu. Puis parce que surtout, je sais pas, maintenant, enfin avant, quand j'avais pas de Star Coins, à cette Star Coins pour m'acheter des chevaux, mais là du coup, je me rendais pas compte que c'était d'avoir plusieurs chevaux et je me disais, oh, vas-y, lâche tout ça, tes économies de sous, tout, ça sert à rien d'avoir plusieurs chevaux. Mais en fait, maintenant je me dis, bah si, en fait, ça sert grave, parce que, enfin, je sais pas quoi. Du coup, on va. C'est pour ça que. C'est que parfois je me demande. Enfin, je vais. Je vais acheter des trucs, mais alors que la boutique des mangas, qui est gratuite, donc pour la boutique bonus. Et bah. Il y a des trucs et c'est souvent intéressant. Attends, deux secondes, tu peux t'avancer et te mettre comme ça. Voilà, donc. Oh, on a un truc nouveau. Bah attendez, je vais prendre le truc nouveau. Hein. On a pas de scène nouvelle par contre. Ouais, ça c'est dommage. C'est plus dommage ça. Hein. Prendre ça. Je sais pas si je l'ai déjà en plus. Ouais, j'avoue. Bon, voilà. Enfin. Il y a peut-être un truc nouveau là-dedans. Non. Bon, voilà, déjà. Hop, même si j'ai que acheté le truc, j'ai peut-être défilé. Bon, on va mettre ça. Oulala, ça lui va pas. Voilà. Donc déjà la salle ça lui va grave, mais le tapis il faut vraiment pas y penser. Hop. Je sais pas si je mets un regard. Deux secondes. Je vais revenir là-dedans. Je vais juste prendre ça. Ah bon, genre, je possède déjà cet objet, merde. Pardon. J'en ai nana. Elle sait pas qu'elle possède déjà cet objet, mais. Ah d'accord. Bon bah une moyenne, on va mettre ça alors. Hein. Donc bref, du coup on va aller faire une petite course, on s'en fout si j'ai un score totalement nul. C'est juste pour voir les sortes d'allures, comment ils font. Voilà, donc go, parce que ça fait grave longtemps en plus que j'ai pas fait de course. On va faire pas que cette course là, on va faire en faire quand même d'autres. Mais d'ailleurs ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo entraînement de chevaux là, c'est vrai. En fait ça, j'ai la flemme. J'avoue, en fait j'achète plein de chevaux. J'ai la flemme de les entraîner. Donc en gros, tous les chevaux que j'achète, ils restent au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3. Donc je fais quand même des courses un peu quand même. Mais... Et voilà. Voilà. Oh il est vraiment trop chou. Je le garderai toute ma vie.
Non, en fait, ils sortent plein de chevaux en ce moment. Je crois qu'ils sont fans de sortir de nouveaux chevaux là en ce moment. Ils sont quand même. Ils en cherchent beaucoup. Hein. En fait, on dirait un peu qu'il a, quand il galope, qu'il a les fesses qui tombent en arrière en fait. Bon, on a fait un score de naze, comme je vous ai dit. Hein. Enfin, c'est déjà pas mal hein, par rapport à la débutante, mais bon, c'est pas non plus génial, génial. Donc, on va tester la piste de Loretta maintenant. Hop, vas-y. Donc, la bride, ça lui va pas, je sais, mais ça passe quand même. En tout cas, le tapis, la selle, les décorations de tête, je garde cette idée pour l'instant. Avant de sauter, hein. Ouais, pas mal. Donc là, les courses, quand même, je fais pas exprès de faire des arrêts brutales et tout, parce que après, sinon, ça me met quand même dans des scores un peu nuls. Donc, c'est juste pour voir si son galop vraiment plus particulier, parce que le galop, c'est ce qu'on utilise quand même le plus souvent, à part quand on fait vraiment de l'équitation et que genre on est au dressage et tout. Et donc, vraiment, on n'utilise pas forcément le galop tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On utilise le trot, le pas, le petit galop. Voilà quoi. On utilise pas forcément tout le temps, tout le temps, tout le temps le galop. Comme pour les gens qui font du saut d'ailleurs. Enfin, on peut sauter certains obstacles au trot, mais quand tu arrives devant un obstacle de 1 mètre quelque chose, c'est pas au trot qu'il faut le sauter quoi. C'est vraiment. Disons que c'est quand même un peu plus dur de le sauter au trot. C'est même impossible. Je pense que c'est impossible. Hein. Oh, t'es trop beau. Je t'adore. Ah, Loretta. Ah, merci. Bon travail. Ah, bah, c'est déjà ça, hein, merci. Moi, je vais aller grimper d'un niveau. Ouais. Ok. Cool. En gros, là, c'est dans l'autre sens. C'est ça. Ouais, c'est dans l'autre sens. Pardon. Non, non, non. Allez mon petit poney, allez. Donc, je voulais aussi vous dire que en fait en ce moment je poste pas beaucoup de vidéos, je sais, mais parce que je suis quand même préoccupée par autre chose que poster des vidéos. Donc je pense que je vais faire un tas où je vais beaucoup poster un peu tout en même temps. Bon, il n'y en aura pas forcément énormément, mais il y en aura déjà pas mal. Et voilà. Ah bah j'ai fait même temps, c'est cool, dis donc. Hein. Quand même. Donc. Super. Maintenant, bah voilà quoi. On va pas non plus passer 2 heures sur cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu avec le curly, le nouveau petit curly. Voilà, quoi, je vous fais de gros bisous et à ta prochaine vidéo et aventure. Mmh.